Le numéro 15 nous est présenté par Monsieur, Mr. President Alain Pelletier, le président de l'Hippodrome du Landanger, qui nous accueille donc sur ce site, présenté en l'occurrence par son fils Maxime et sa belle-fille Mylène, qui s'occupe donc de Glycine Bleue, la mère, et de ce produit, de ce foal par Spanish Moon, né le 10 mai. Alors, une origine très importante pour les courses angevines et aussi les courses anglaises, puisque c'est la souche directe de Édredon Bleu, le grand champion, le crack, le phénoménal Édredon Bleu. On va pouvoir marcher, voilà. Alors, plus près de nous, Glycine Bleue, la mère, est déjà, qui se porte bien pour une jument qui est née en 94, est déjà mère du semi-classique Upsilon Bleu, vainqueur de liste d'un Anguin. C'est aussi la mère de Apéro Bleu. Voilà, plein de bons chevaux. La mère de Tunique Bleue également, qui avait gagné une seule course en seulement trois sorties. Et la mère Glycine Bleue est la sœur de Étoile Bleue, Iota Bleue, et puis il y a Kéros Bleue, Hameçon Bleue. Voilà, très important. Très, très grosse famille angevine qui a porté haut et fort le drapeau de la QPS Ouest, Outre-Manche, puisque Édredon Bleue fut l'un des premiers, sinon le premier AQPS Ouest, champion AQPS issu de l'Ouest, il était entraîné avant par Michel Pelletier, à s'imposer au sommet de l'Angleterre, notamment à Cheltenham, bien entendu, lorsqu'il a remporté le Queen Mother Chase. Here, a colt by Spanish Moon. Spanish Moon, I told you already about this very enthusiastic young sire. And this is the colt presented by Alain Pelletier, is a cousin of Édredon Bleu. Édredon Bleu, the unbelievable phenomena, the champion Édredon Bleu, champion jumper, winner of the gold, not the gold cup, but the Queen Mother Chase. A wonderful champion Édredon Bleu and a strong, very, very strong family for this Bleu family, I would say. With not only Édredon Bleu, but Étoile Bleu, Iota Bleu, Upsilon Bleu. This colt is a brother of Upsilon Bleu, listed race winner.